pardon de vous avoir fait patienter à ce point, mais on a affaire à un quatuor très bavard ce soir. D'ailleurs, je veux dire, vous êtes la moins chanceuse de nos invités politiques. Je salue déjà votre père. Bah, tombé sur ces quatre-là d'un coup, là, alors là, quand même. Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup. Ça, je dois reconnaître que les frères Duhamel réunis, Plenel, plus. Bon, vous évitez Éric Nolot. Plus Ruquier. Oh non, mais moi, je suis un ange. Ah, on verra. On verra. Bah, vous savez bien, je suis plus dans votre camp que dans celui de Mme Bachelot, donc ça vous arrange. C'est le seul clivage aujourd'hui. Quoi ? C'est le seul clivage qui compte aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, c'est Bachelot ou Ramayad. Ouais, ouais. Moi, je suis Ramayad. Alors, est-ce qu'on peut résumer avant ? Parce qu'on va essentiellement parler de votre livre, parce que je le trouve intéressant, votre livre. Je l'ai lu vraiment du début à la fin. Et je trouve qu'il... Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais en tout cas, il ouvre un vrai débat et c'est un vrai sujet important pour l'avenir de notre pays et de la jeunesse, peut-être, qui nous regarde ce soir. Mais juste avant, comme ça, entre nous, pour rigoler, pour s'amuser. En gros, si Borloo est Premier ministre, vous restez. Si Fillon reste à Matignon, c'est Bachelot qui reste et vous êtes viré, c'est ça ? Je n'en sais rien. Je vous le dis, moi. Je n'en sais rien. Non, c'est ça. Ben oui, Alain Duhamel. Je suis d'accord. J'ai tout compris, hein. Non, mais je suis d'accord, vous êtes un politologue né. Ben oui, puisque Mme Bachelot est un peu la... Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah ben non, mais j'explique quand même pour les téléspectateurs, on n'est pas là entre on n'est pas dans... Parce que Bachelot, c'est Fillon. Ben voilà, Mme Bachelot, elle a protégé M. Fillon, donc si M. Fillon dégage, paf, elle dégage, et là... Notre copine Ramayad, elle reprend tous les pouvoirs. Et promue. Promue même, ministre. Il y a une troisième solution. Oui. C'est qu'elle dégage toutes les deux. Non, elle sera ministre de la jeunesse. Non, c'est votre souhait ? Non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça en plus. Il y a qu'une personne qui décide, c'est le président de la République. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, que je reste, très bien. Si je reste pas, très bien aussi. La vie continue. Oui. Vous savez, nous, quand on est nommé au gouvernement, au tout début, on a dans la tête cette idée que ce n'est pas un CDI, mais un CDD dont on ne connaît pas en plus le terme. Donc quand on se dit ça dès le départ, après on est serein, on fait son travail et on essaie de le faire le plus tranquillement possible. Alors ce qui est amusant dans votre livre, c'est que vous adressez à la jeunesse, mais en plus vous commencez par un extrait de chanson. Au début, je n'avais pas vu la signature de l'exergue que vous avez choisi. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Et après, j'ai compris que c'était ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Alors pourquoi avoir choisi ce texte de la chanteuse Zaz, qui a fait un tabac avec cette chanson l'été dernier, pourquoi avoir choisi ce texte-là en exergue de votre livre ? L'année dernière, j'avais écrit un livre sur les droits de l'homme, j'avais choisi Jean Ferrat, Ma France, comme exergue, et cette année, Je lui souhaite quand même un meilleur avenir, Zaz, la pauvre. Il a fait une très grande carrière, Jean Ferrat. Oui, mais enfin, il est mort depuis. Oui, mais bon, on finit toujours par mourir, de toute façon. Donc j'espère qu'elle vivra très longtemps comme lui. Le plus tard possible, bien sûr, mais elle n'est qu'au début de sa carrière. Pourquoi elle ? Parce qu'elle m'a accompagnée tout l'été avec son album. Parce que je trouve qu'elle incarne bien la jeunesse d'aujourd'hui, idéaliste. Moi, je veux mourir la main sur le cœur. Je trouve que ça la représente bien, cette jeunesse dont on dit qu'elle vit dans une période sans idéologie, mais qui a su réinventer la politique en s'accrochant à des idéaux et à un certain sens aussi du collectif. Et je trouve que Zaz représente bien cette jeunesse française. Alors, vous adressez vraiment aux jeunes, vous essayez d'intéresser ceux qui ne sont pas intéressés à la politique, vous essayez de leur dire il faut s'y intéresser. Vous expliquez d'ailleurs que vous-même, au départ, vous ne votiez pas forcément facilement, que ce sont plutôt vos parents qui vous ont incité à aller voter. Pourquoi vous n'alliez pas voter, vous ? Parce que ça m'intéressait, puisque j'étais dans des études qui... Sciences Po. Oui, mais même avant, enfin, j'ai commencé à voter en 1995, j'avais 18 ans. C'est vrai que j'étais assez dégoûtée de la classe politique. Attendez, à 95, parce que dans le livre, vous dites que la première fois que vous avez voté pour quelqu'un, c'était au premier tour de l'élection présidentielle 2002. Oui, mais en 95, je pouvais voter, j'avais 18 ans. D'accord. Donc c'est ça que je veux dire. Et parce que je trouvais que gauche-droite, bon... C'était un peu pareil, qu'au fond, le langage des hommes politiques, j'avais du mal à le comprendre, que
le bilan des uns et des autres n'était pas faramineux. Enfin voilà, je pensais des choses comme ça. Tout ce qui a continué. Non, mais on le pense tous à un moment donné. Ben moi, je l'ai pensé pendant longtemps. Et c'est vrai que lorsqu'on m'obligeait à voter, j'y allais. La première fois que j'ai voté, c'était en 2002. Pour Madame Taubira. Ça, c'est une révélation. Moi, je l'ignorais. Si, franchement, parce que faites partie de ceux qui, selon Lionel Jospin, ont mis Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en votant pour. Non. Justement, je ne supportais pas qu'on dise ça. J'essaie de vous le raconter. Alors, ça, je ne supportais pas qu'on dise que c'est le peuple qui s'est trompé. Parce que c'est pas vrai. Si Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au second tour, c'est pas de la faute des électeurs, c'est la faute de ceux qui n'ont pas été capables de séduire suffisamment les électeurs pour qu'ils votent pour les grands partis majoritaires. Voilà. Donc à partir de là, moi j'avais voté effectivement pour Christiane Taubira parce qu'à l'époque, j'étais très dans la réflexion sur l'histoire de l'esclavage. Elle avait très bien porté le texte de loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et puis c'était une très bonne oratrice et donc voilà. Donc la première fois que vous avez voté plutôt à gauche donc. Ou pour Madame Taubira, bah, à gauche. Elle était à gauche, elle était au PRG. Oui voilà, elle était à gauche. Donc vous avez voté à gauche la première fois que vous avez voté. Oui. Bon. Et la deuxième fois. La deuxième fois à Bachirac, comme beaucoup de. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Oui. Voilà. Contrainte et forcée ou. Il fallait de toute façon sauver la République, donc j'ai été sommée comme tous de le faire. C'était un moment traumatisant. Moi, ça fait partie des moments fondateurs de mon engagement politique. Parce qu'à ce moment-là, voir Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, pour moi, c'était un grand choc personnel, d'une part. Et sur le plan politique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je trouvais qu'il y avait une faillite quelque part dans la classe politique qui expliquait qu'on en soit arrivé là. Bon, ça a été un. Vous savez quand même qu'il n'avait aucune chance de gagner et qu'il n'avait fait qu'un score classique. Mais bien pour sûr, lui. Mais on ne va pas refaire le débat, mais bien sûr. Mais c'était une question de principe. Il y a eu une mise en scène incroyable. C'était une question de principe. C'est pas une question de mise en scène. C'est que il y a un moment donné, vous savez, on se retrouve sur l'essentiel. L'essentiel, c'était la République, c'est la démocratie, c'était les idées qu'on a en partage. Qui permettent de favoriser le vivre ensemble. Moi, je trouve que Jean-Marie Le Pen ne représente pas du tout le vivre ensemble. Non, mais je ne savais pas qu'il était monarchiste. Je n'ai pas dit qu'il était monarchiste. Mais si, vous avez dit la République était en jeu. Donc, quand on va abattre la République. Bien sûr. Mais vous opposez. Oui, ça peut être l'Empire, c'est vrai. Moi, je trouve que oui, il y avait des raisons et fondamentales, essentielles, effectivement, de l'empêcher de faire un score important. Vous écrivez même, en voyant ces milliers de jeunes vigies républicaines en tête des manifestations contre Le Pen en 2002, on est passé un peu vite sur les 20% d'entre vous, puisque vous adressez aux jeunes, les 20% des jeunes qui ont voté Le Pen. Il y a 20% de jeunes qui ont voté Le Pen. À ce moment-là, oui. Oui. Mais, ça continue. Mais aujourd'hui aussi. Ben oui. Aujourd'hui, c'est moins. Si, aujourd'hui aussi. En 2007, c'était moins. Donc, aujourd'hui, dans les intentions de vote aujourd'hui. Pourriez préciser, parce que vous ne le faites pas, qu'ils sont ouvriers. C'est-à-dire que c'est un électorat populaire. C'est la génération précarisée. Oui, c'est un électorat populaire. Tout à fait. Je voudrais terminer sur ce passage, parce que c'est important ce que vous écrivez. Vous dites donc 20% des jeunes ont voté pour Le Pen en 2002. Voilà qui n'a rien de banal. On vous avait pourtant dit, les jeunes, qu'il était ringard, qu'il était vigiste et qu'en plus il lui manquait un œil. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi vous précisez ça. Ça, c'est une vacherie pour Martine Aubry pour la prochaine présidentielle, non, peut-être. Et vous dites, et là, évidemment, ça vise Marine Le Pen, et si quelqu'un d'autre se présentait avec une plus belle carrosserie, on comprend que c'est à elle que vous pensez. Elle est plus dangereuse que son père. C'est l'expression de son père. Hein. Ouais. Je la reprends entre guillemets. Ce que j'ai voulu dire à travers cela qui fait l'ouverture du livre, c'est que la marginalisation de la jeunesse depuis la fin des Trente Glorieuses, parce qu'elle pâtit quand même, c'est une génération de la crise, conduit finalement quelque part à un désintérêt croissant, pour rester poli, vis-à-vis de la politique, et des politiques qui ne parlent plus aux jeunes, puisque la gauche était représentée à un moment donné par ce que j'appelle la gauche festive de Jack Lang, la fête de la musique, les radios libres, et puis les tags érigés en art. Bon, et puis ça, c'est fini. Et puis, vous avez la droite qui n'a pas la réputation d'être proche des jeunes et qui, même jusqu'à aujourd'hui, apparaît comme la droite patrimoniale qui privilégie les gens qui ont un patrimoine, ce qui n'est pas le cas des jeunes. Et de ce fait, on se retrouve avec une jeunesse qui ne croit ni à la gauche ni à la droite, deux tiers d'entre eux. Résultat, ils se retrouvent face aux défis du monde pour une fraction souffrante de cette jeunesse. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais cette génération, la partie précaire justement, qui connaît un taux de chômage pour les jeunes actifs de 25%, 20%
40% des jeunes sont des pauvres et 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme et sans formation. Et que sur cette jeunesse-là, cette partie de la jeunesse-là, se concentre des difficultés immenses, sans parler du logement, qui, elle vit de la mendicité familiale en quelque sorte. Et à un moment donné, voilà, elle est tentée de se tourner vers les extrêmes gauche comme droite. Mais celle de droite me frappe énormément, l'extrême droite, du fait qu'ils étaient 20% à avoir voté pour Jean-Marie Le Pen au moment où il arrivait au second tour. Et ça, je trouve que c'est une question démocratique fondamentale. Se pose la question de ce qu'on fait par rapport à la jeunesse de France, quel espoir on lui donne, parce qu'à 20 ans, voter pour un leader d'extrême droite, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je considère le sujet de la jeunesse comme un sujet fondamental, et peut-être même le sujet des 30 prochaines années. En tout cas, c'est le thème évidemment principal de votre livre, c'en est même le titre, Lettre à la jeunesse, oui Patrice Duhamel. J'ai une question à poser à Ramayad. Il y a une tête de chapitre très drôle, ou une phrase très drôle, qui est « La politique, c'est comme les discothèques, on laisse d'abord rentrer les habitués ». Moi, la seule question que j'ai à vous poser, c'est vous êtes au gouvernement depuis 3 ans et demi. Comment vous avez fait bouger la politique française, vous, Ramayad, avec l'image que vous avez en tête dans les sondages de popularité, etc. C'est la seule question. Ce serait prétentieux d'y répondre. Oui, j'ai pas assez de recul. Parce que vous nous avez pas fait gagner le mondial, en tout cas. Oui, ça, c'est leurs affaires. C'est leur affaire. C'était sur le terrain que et dans les coulisses que ça se jouait. Enfin, on pourra y revenir. Mais moi, ce que j'apporte, ce serait présomptueux de non, c'est pas ce que vous apportez. Ce que vous avez fait bouger dans la vie politique en 3 ans et demi, à partir de ce constat, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes, en gros, qu'on voit. Moi, je peux pas répondre à cette question. C'est compliqué. Je peux dire ce que j'ai fait bouger dans les deux ministères où j'ai été, au secrétariat aux droits de l'homme et puis aujourd'hui au sport. On peut citer une liste de choses que j'ai faites et qui ont fait avancer. Votre phrase, elle concerne le monde politique dans son ensemble. Oui, en fait, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que c'est très compliqué. Lorsqu'on est une jeune personne, je m'estimais pas fondamentalement très jeune, mais j'avais 28 ans lorsque j'ai commencé à m'engager en politique. C'est très compliqué de se faire accepter dans sa légitimité de politique. Certes, il faut faire ses preuves, c'est normal. Certes, il faut acquérir de l'expérience. Néanmoins, il y a pour les jeunes en tant que génération une grande difficulté puisqu'ils sont que 2% dans les partis politiques. Mais c'est pas seulement les partis. Dans les syndicats, ils ne sont que 1%. Un tiers des militants CGT sont des retraités, dites-vous. Oui, mais comment voulez-vous, dans ces conditions, que les élites dirigeantes, y compris économiques, prennent en compte les problématiques de la jeunesse, et la première des problématiques étant l'insertion professionnelle, puisqu'ils sont en plus supposés défendre ceux qui ont un statut, c'est-à-dire quelque chose à défendre, justement, alors que les jeunes, regardez les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, sont plutôt des outsiders. Et donc, leurs problématiques ne sont pas forcément sur la place publique, sauf quand ils sont dans la rue. Et là, on les compare à du dentifrice. Et moi, je regrette vraiment que la jeunesse soit regardée comme une nouvelle classe dangereuse. Elle fait l'objet de caricatures. Alors, soit c'est la jeunesse manifestante, celle qui est dans la rue, le poing levé, soit c'est la jeunesse délinquante, celle qui caillasse les voitures. Et elle ne file à une des médias que dans ces deux cas-là. Mais que fait-on de la jeunesse au travail? De la jeunesse qui lutte pour son insertion professionnelle, de la jeunesse qui est en formation, de l'extrême majorité des jeunes qui sont 13 millions entre 18 et 32 ans. C'est un peu ce qui ressort de votre livre, je vais y venir, mais quand même, puisque Patrice Duhamel évoque le droit de suite dans son livre, il n'a pas vraiment eu de réponse à sa question, j'ai l'impression, Patrice. Alors, donc, comme vous parlez du droit de suite dans votre bouquin, je vous donne le droit de la reposer, votre question. Non, mais alors. Je ne sais pas, ma sincérité peut-être, parce que je pense que tout ce que j'entreprends en politique, je le fais avec un maximum de sincérité. Au fond, c'est très présomptueux, je vous disais, de répondre, parce que vous me demandez de bilan, quoi. Oui, parce que votre phrase, elle est très forte, hein, quand même. Cette phrase est très forte. Oui, parce qu'effectivement, les chiffres, le nombre de députés à l'Assemblée nationale de moins de 35 ans ou de moins de 40 ans est beaucoup plus faible qu'il y a 20 ans. Alain Duhamel. J'ai lu le livre, évidemment, je l'ai même lu deux fois d'ailleurs. Parce que vous n'avez pas tout compris la première fois. Non, parce que la première fois je l'ai reçu, la première fois je l'ai lu parce que je l'ai reçu, la deuxième fois je l'ai lu parce qu'on allait se voir. C'est comme ça qu'il faut travailler. Hein. Non, mais une fois ça me fait. Ça, c'est une leçon de journaliste. J'ai trouvé que dans ce livre vous posiez beaucoup de bonnes questions.
Donc ma mauvaise question va être, est-ce que vous préparez un autre livre pour proposer beaucoup de bonnes réponses? Oui, alors par rapport à des propositions, vous voulez dire. Oui, c'est ça exactement. Ce livre, je ne l'ai pas pensé comme les 110 propositions. C'est plutôt une interpellation. Oui, voilà. Bon, alors, est-ce qu'il y aura un deuxième tome avec « Je vous ai posé les questions, je les ai posées en public et maintenant, voilà les réponses. » Parce qu'il n'y a pas toutes les réponses non plus, Mme Rayad. Attendez, laissez la réponse tout seul. Enfin, je l'aide un peu, je suis un peu là pour ça aussi. Puis je lui laisse le temps de réfléchir. Mais non, mais j'ai mes réponses. Mais réfléchis vite. Mais je ne dis pas le contraire, enfin bon. J'esquisse quelques propositions sur notre système éducatif, sur le marché du travail ou sur l'autonomie des jeunes. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé ce livre comme les 110 propositions du programme commun. C'est pas ça. L'objectif, c'est de poser le débat. Parce que nous sommes avec cette jeunesse sur une question qui est en jachère politique. Et ce que je voulais tout simplement, en fait, c'était qu'on en parle. Enfin, vous voyez que dans le débat politique, quand on discute comme ça, qu'on se trouve ensemble, qu'on n'oublie pas les jeunes, qu'on puisse parler des jeunes. Mais alors justement, je vous interromps parce que là, alors, le bouquin tombe évidemment très bien et très mal à la fois. Très bien parce que effectivement, c'est un des sujets du moment parce qu'on voit les jeunes dans la rue, manifestants ou casseurs, ça reste des jeunes de toute façon. Donc ça, on peut dire que ça tombe bien. En même temps, ça tombe mal parce que évidemment, le gouvernement auquel vous appartenez dit voilà, mais ils n'ont rien à voir avec les retraites, ils se mobilisent. Et puis vous, dans tout le bouquin, vous dites c'est bien, les jeunes, il faut s'intéresser à la politique, il faut vous manifester, il ne faut pas vous laisser faire, il faut y aller. Alors en gros, contrairement à Ségolène Royal qui n'a pas vraiment appelé, contrairement à ce que vous écrivez, les jeunes à descendre dans la rue. J'ai pas pu écrire ça dans ce livre, déclaration de Ségolène Royal. Vous l'avez dit, dans la presse en tout cas. Contrairement à là, vous les appelez vraiment à descendre dans la rue. Mais pas du tout. C'est ce que je comprends du livre. Ce que je dis, c'est. Pas forcément sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets en général. Ce que je dis, en fait, c'est que. J'ai pas écrit ce livre pour plaindre les jeunes ou pour les victimiser. Ce que je dis au fond, c'est si les élites dirigeantes, quelles qu'elles soient, ont des choses à faire pour améliorer votre condition sur le marché du travail, pour que vous puissiez avoir un premier emploi plus rapidement qu'aujourd'hui avec les stages, les emplois précaires, etc. S'il y a des choses à faire sur le système éducatif pour lutter contre ce phénomène de décrochage scolaire qui conduit tant de jeunes à être exclus, s'il y a des choses à faire sur la dette et notamment sur les retraites, précisément ce qui est fait aujourd'hui, la société pourrait déposer toutes les merveilles du monde à vos pieds. Il ne se passera rien si vous ne signez pas votre époque. On n'a pas vocation à être les mini-mois des aînés. Voilà. Quand même, on a l'impression que vous appelez les jeunes à manifester, mais que ceux qui manifestent en ce moment, ce n'est pas les bons jeunes. Non, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la bonne manifestation. Bon, alors, Zemmour et puis Plenel. Éric Zemmour d'abord. Alors, d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on reçoit beaucoup de politiques avec des livres ici. Et en général, ce sont des livres qui puent le communicant au bout de trois lignes. C'est-à-dire, en gros, qu'ils ne l'ont pas écrit. En général, d'ailleurs, même parfois, on se demande s'ils l'ont lu. Donc là, au moins, on a l'impression que vous l'avez écrit vous-même, ou alors vous avez un aigle très doué qui vous connaît par cœur. J'écris tous mes livres, et c'est le troisième, et je l'ai écrit du début à la fin. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que le style est un mélange tout à fait de ce que vous êtes, à mon sens. C'est-à-dire un mélange de style très classique, même aux limites parfois de la préciosité, et après de langage John. Alors quand vous voulez faire John, parfois vous parlez comme ça, et puis ce mélange, c'est assez amusant, parce que je trouve que ça vous définit, parce que vous êtes, ce livre révèle toutes vos contradictions, Duhamel a raison. Lequel Igor. Parce que Patrice a posé une question. Merci. Igor Duhamel. Et moi je voudrais poursuivre, parce que vous passez votre temps dans votre livre à dire, les journalistes n'arrêtent pas de me dire, est-ce que je suis UMP, j'ai quand même ma carte UMP. J'ai lu une fois. Oui, non, mais oui, vous voyez que je passe par mon temps. Oui, mais parce que je retiens, je suis très impressionnable. Et donc vous dites ça, et en fait, je vais vous dire, on comprend pourquoi il vous pose ça à la lecture de ce livre. Parce que quelqu'un de gauche aurait pu écrire exactement le même livre. Et d'ailleurs, quand vous faites une proposition, parce que Duhamel a raison, il y a une proposition sur l'allocation autonomie, c'est piqué dans le programme socialiste. Donc on ne voit pas vraiment la différence. Et d'ailleurs, vous êtes tout à fait aussi... Je finis. Vous prenez une proposition sur une... Non, mais c'est la seule qui est retenue. Le reste, c'est quand même du gloubi-glouba. Ah non, je suis désolé. On dit c'est le collège unique, c'est pas bien, mais ça fait 30 ans que les gens de droite... Pardon, mais ça m'a intéressé. Non, cette proposition, c'est pas intéressant. Je dis que c'est pas une proposition précise. Mais je suis pas d'accord, parce que ce que je propose, c'est justement pas l'autonomie. Ça fait 30 ans que je vous le dis. C'est justement pas ça que je propose. Qu'on se base sur les droits de tirage qui existent en Suède, donc que les
socialisme n'ont absolument pas repris et qu'on se base plutôt sur ce système de formation qui permette non pas seulement aux jeunes mais aussi à ceux qui sont moins jeunes de pouvoir tirer dans ces droits de tirage. C'est pas l'allocation autonomie ça. C'est une forme d'allocation autonomie. Comment appelez-vous un dispositif ? Vous dites allocation autonomie, excusez-moi. Mais le fait de dire qu'il faut renforcer l'autonomie chez les jeunes, c'est pas socialiste. Enfin, mais payé par qui, c'est renforcement de l'autonomie ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 15 milliards... Par l'État, par nous. 15 milliards, si je puis juste terminer là-dessus, il y a 15 milliards qui sont attribués à la jeunesse. Bourses, aides fiscales, allocations familiales, diverses sortes d'aides pour les jeunes, mais qui passent essentiellement par les familles. Parce qu'on a une tradition familialiste qui fait que c'est comme ça. Et moi, je propose que nous renforcions la part qui va directement aux jeunes, oui, parce qu'il faut leur faire confiance. Mais c'est l'argent de l'État, c'est les 15 milliards d'argent public, oui. C'est exactement le contraire de la tradition à droite, qui veut que justement, ça soit par la famille, Madame Ramayad. J'entends bien, mais c'est ce que je vous dis. Donc c'est bien ce que je dis, un type de gauche aurait très bien pu écrire ça. Mais attendez, je vais pas me dire, je vais faire des propositions qui collent juste à la droite. Je dis ce que je pense. J'ai livré dans ce livre une pensée qui m'appartient. La question n'est pas de savoir si elle est de gauche ou de droite, peu m'importe. Je dis ma vérité. S'y reconnaissent ceux qui veulent s'y reconnaître. J'ai longtemps... Il y a une question en suspens, au fond, dans le bouquin, dans le livre, qui me travaille toujours. Est-ce une question générationnelle ou est-ce une question sociale? Et au fond, je pense que la question sociale, en France, l'a longtemps, et peut-être même encore aujourd'hui, emportée dans l'analyse qu'on a des jeunes. La jeunesse, aujourd'hui, elle n'est pas uniforme. Il y a la jeunesse rurale, qui est même pas représentée dans l'espace public. Et qui est paupérisée. Qui est paupérisée, on les assimile à des gens qui ont peu de culture, qui vivent loin des centres-villes, qui sont célibataires. Vous dites même la seule fois où on les voit, c'est dans Le Bonheur et dans le Pré sur M6. Hein. Oui, non, mais je trouve ça très désobligeant, parce que la jeunesse rurale doit être respectée, les courageuses. Il y a la jeunesse des cités, où vous avez là la petite poignée de délinquants qui fait la une des journaux quand ils brûlent des voitures. Vous avez... ceux qui travaillent, qui se démènent pour en sortir, qui sont d'ailleurs, il y a des blacks, des beurs, mais vous avez aussi la minorité invisible Les blancs aux yeux bleus. La précarité blonde aux yeux bleus, mais qui se vit en minorité invisible dans les cités parce qu'on ne s'adresse pas forcément à eux. Vous avez la jeunesse des facs et vous avez l'élite, 4%, qui sont dans les grandes écoles. Cette jeunesse-là, elle est vraiment éclatée et donc, de ce fait, la question... générationnelle n'a pas franchement été posée parce que la question sociale l'a emporté. Mmh. Et je tombe sur le système éducatif parce que c'est pas parce que on dégage tous les seniors des postes prestigieux dans l'éducation, dans la culture, dans la recherche, dans l'université que les jeunes vont venir se poser à leur place et donc occuper les emplois. Non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualifications, n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes rémunérations. Donc ces emplois-là ne sont pas substituables. D'où le lien avec les retraites et les manifestations, qui est de dire, parce qu'on entend dire... C'est pas parce qu'on travaillera plus longtemps que les jeunes auront moins de travail. Mais non, parce que les postes ne sont pas substituables. Et l'exemple suédois est même l'inverse, puisque là-bas, on a un taux d'emploi des seniors qui est de 70% et un taux d'emploi des jeunes qui est très important, qui dépasse les 45%. Donc c'est très important de le savoir. Donc, pour moi, la question générationnelle rencontre cette limite-là, qui est que les emplois ne sont pas substituables et que donc, pour les rendre substituables, se pose la question du système éducatif. Pour moi, le cœur de ce livre-là, c'est le système éducatif qui doit être réformé. Allez, monsieur Edoui Plenel. Rassurez-vous, Madame Ramayad, je ne vais pas faire les réponses en même temps que les questions comme mon voisin de droite. Vous parlez de placement. C'est vrai, bien sûr. Il y a une interrogation quand on lit ce livre qui est en effet intéressant. C'est qu'il faut se rappeler d'où vous parlez quand on a fermé le livre en se disant mais oui, elle est quand même ministre du gouvernement, elle a fait la campagne de Nicolas Sarkozy. Elle a été élue par les électeurs de droite, l'UMP. Parce que c'est un livre d'opposants. Qui s'attarde sur le record de chômage des jeunes actifs? Je vous cite. Qui s'étonne que 21% d'entre vous viviez au-dessous du seuil de pauvreté? Qui rappelle que plus de la moitié de ceux d'entre vous qui est au chômage ne perçoit aucune indemnisation chômage? Qui relève que vous êtes chaque année 150 000 à sortir sans qualification de l'école? Très bien et très juste. Mais on peut être de droite et dire la vérité. Non, mais on est aux affaires, pas de droite, aux affaires, dans une majorité qui, depuis 2002, est aux affaires.
ces questions-là sont posées à ceux qui sont aux affaires. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous avez dit très justement, ce n'est pas seulement le vote Le Pen, il y a l'abstention. Les jeunes doutent de la politique. Et ils doutent de la politique, à juste titre, en termes de responsabilité, de cohérence. Vous avez employé un très beau mot, le mot « idéal ». Et en effet, ils regardent l'idéal et ils regardent les intérêts. Ils se disent, est-ce qu'ils choisissent l'idéal ou est-ce qu'ils choisissent l'intérêt? Et dans votre cas, ma question est toute simple. Parce que vous avez ces idéaux-là. Je ne comprends pas, vraiment, vous ayant lu, ayant suivi votre parcours, comment vous pouvez être encore dans cette majorité, dans ce gouvernement, avec un ministre de l'Intérieur condamné pour injures racistes, l'Organisation des Nations Unies au mois d'août condamnant la France sur le racisme. Il faudra me les répéter. Mais je tiens à répondre tout, à chacune, mais il y en a beaucoup. Je vais les noter. Globalement, être dans cette majorité, dans ce moment-là, avec un président de la République qui, je vous le rappelle, a appelé à trier les personnes entre Français selon l'origine étrangère. Est-ce que vous choisissez l'idéal, les principes, pour le plaisir, hein? J'ai amené quelqu'un que vous aimez bien, Aimé Césaire, vous l'aimez comme moi, discours sur le colonialisme, cahier d'un retour au pays natal, l'ami de Senghor. Il faut choisir l'idéal, madame Ramayad. Et l'idéal comme Pierre Mendès France, comme De Gaulle à d'autres moments, l'idéal, pas l'intérêt. Soyez fidèles à vos idées, démissionnez en sortant de cette émission. Je vais résumer tout ce qu'a dit Plenel en une phrase et en une seule question. Vos idées sont-elles Hortefeux et Sarko compatibles? Alors, pour reprendre sur la première, parce que vous avez posé d'abord une question sur le fait que je sois au gouvernement et que je dresse le diagnostic. C'est pas parce qu'on est au gouvernement qu'on ne doit pas dire la vérité. Mais c'est accablant pour le gouvernement. Il faut juste me laisser aller au bout, sinon ça ne marchera pas. D'accord. Le diagnostic que je dresse, c'est pas le bilan du gouvernement. C'est justement ça qui est intéressant. C'est pas le bilan de Nicolas Sarkozy, cette réalité-là. Ça date pas d'il y a 3 ans. Ça dure depuis 25 ans. Je vous donne juste deux exemples. Deux exemples. 20 ans, vous mettez dans le livre depuis 20 ans. Je vous donne cette juste deux exemples. Cette question déterminante n'a pas reçu depuis 20 ans la réflexion qu'elle mériterait C'est une accumulation de faits dont hérite ce gouvernement. Deux exemples. Ils 1993. Ont raison de manifester, donc, attendez, juste. Non, je vais au bout. 1993. Crise économique gravissime. On découvre à ce moment-là ce phénomène des super diplômés qui sont au chômage. 93. Deuxième exemple, 1998, on est sous Lionel Jospin. Il crée les emplois jeunes pour les jeunes précaires. Et on se retrouve avec quoi au final? Ce sont des jeunes très diplômés qui ont occupé ces postes-là. Ça veut dire quoi? Que ce diagnostic-là, si vous avez bien compris, ça ne date pas de maintenant. C'est depuis 20 ans que ça dure. Et ce que je dis, c'est que un gouvernement de droite, par exemple, qui tenterait de s'attaquer à ce type de problème, se heurterait immanquablement à une opposition farouche. Parce que la difficulté numéro une, prenons sur le marché du travail, c'est le manque de fluidité du marché du travail pour les jeunes. Entre ceux qui ont, comme je disais tout à l'heure, un statut, et ceux qui n'en ont pas ou qui aspirent peut-être à en avoir un. Et si vous voulez mettre de la fluidité dans ce système au profit des jeunes, immanquablement, vous allez toucher à ceux qui ont un statut. Et donc, un gouvernement de droite qui tenterait de réformer, il vivrait une vive opposition. Et c'est pour ça que je dis que sur ce sujet-là, il faut consensus. Il faut que tout le monde, les partis de gauche comme de droite, les syndicats... Non, parce qu'il ne faut pas un coup d'épée dans l'eau. Il faut quelque chose... Ah, c'est gentil pour M. Borloo, vous venez de dire. Il faut une ambition durable. Non, mais le Grenelle, on a employé cette expression 100 fois pour tas de choses. Le dernier Grenelle, c'était celui de l'environnement, et c'était le sien, quand même. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas juste justement, si vous me laissez finir, il n'y a pas que le Grenelle, il faut... D'abord, il y a eu une charte qui a été signée par l'ensemble de la classe politique au moment de la campagne. Donc le consensus était là. Quel que soit le vainqueur, ça allait être un sujet majeur. Ça, c'est la première chose. Il faut créer ce consensus. Il y a des gens comme François Hollande sur l'autre rive qui ont cette même réflexion. Deuxièmement, il a fallu derrière créer un ministère
très fort, et ce qui n'était pas un secrétariat d'État à l'écologie comme on le voyait avant, mais un ministère d'État avec les transports, le développement durable, avec la mer, enfin des tas de choses, qui montraient bien qu'on prenait en compte la dimension d'importance de ce problème. Et puis derrière, il y a eu des lois, il y a eu des mesures, il y a une vraie mobilisation. Et c'est ça que je souhaite pour la jeunesse, et pour ça, M. Pellet, il faut un consensus de la part de tout le monde, sinon il y aura trop de consensus. On essaie d'être rapide dans les réponses. Hein. Après à la deuxième question, mais juste sur ce point, vous vous rendez compte ce que vous nous dites? Vous dites aux jeunes qui vous écoutent, qui vont regarder ce livre et vous entendre, vous leur dites, regardez comme la politique est impuissante. Or, en 2007, il y a eu une forte mobilisation électorale, à gauche comme à droite, pour dire la volonté politique. Et deuxièmement... L'environnement est la preuve que quand on veut, on peut. Écoutez-moi, et je voudrais qu'on fasse la même chose pour les jeunes. Deuxièmement, au moment même où vous avez le gouvernement dont vous êtes membre, fait la pédagogie de l'anti-consensus, de l'anti-négociation, de l'anti-discussion sur les retraites, vous nous faites l'éloge, et à juste titre, du consensus. Non, mais là, vous voyez l'anti-pédagogie actuelle. Restez sur le fond, parce que je trouve qu'il est suffisamment grave pour ne pas s'en servir. Non, c'est suffisamment grave pour ne pas s'en servir. Il a raison de dire sur les retraites, pourquoi après tout, il n'y aurait pas un consensus entre la droite et la gauche. Non, mais c'est pas le lieu. C'est lié aux retraites. Je vous en supplie, ce sujet. Ce sujet a été... C'est Edoui qui est un peu en contradiction avec lui-même, parce qu'il est très brillant, il est très éloquent, mais on ne peut pas dire que sa démarche intellectuelle soit fondée sur le consensus. Elle est fondée sur le clivage. Alors c'est l'homme du clivage. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand vous vous présentez quand vous prenez cette posture de procureur permanent du sarkozysme... Laissez-moi juste finir ma phrase. Quand vous prenez cette posture de procureur permanent du sarkozysme, vous vous excluez de vous-même du débat politique tel que je le souhaite sur un sujet comme ça, qui est suffisamment important, à mon avis, pour ne pas être utilisé à des fins de procès. Je ne suis pas du tout sur ce sujet-là. Je trouve que c'est suffisamment important pour que nous prenions conscience de l'urgence nationale de cela. L'idéal. Moi, j'ai des idéaux et qui ont été en plus... Qui sont piétinés par ce gouvernement. Très bien. C'est volé. Je ne peux pas répondre. Mais il a dit qu'il ne faisait pas les questions. C'est-à-dire que ça lui fait tellement plaisir de le penser. Ah, ça, c'est pas mal. Non, mais... Vous avez des idées en tête et vous voulez me les plaquer sur moi. Mais laissez-moi juste cet espace de liberté démocratique qui me permet un droit de réponse. Mais bien sûr. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que moi, l'idéal, c'est toute ma vie. Je veux dire, le fait de penser qu'il n'y a pas de fatalité pour soi ni pour son pays, ça m'accompagne depuis que j'ai quitté le pays où je suis né, que je suis venu ici et que j'ai voulu construire à partir de pas grand-chose. Donc quand on a cette histoire-là qui vous marque, parce que c'est l'histoire d'une vie qui conditionne la suite, on a des idéaux. Voilà. Quand on change de vie, quand on adopte une autre culture, quand on parle tout d'un coup une autre langue, quand on rencontre des gens qui étaient différents de ceux avec lesquels vous avez grandi, mais que vous êtes quand même heureux d'être avec eux et que vous voulez rester avec eux, c'est parce que vous êtes mu par un idéal humaniste très très profond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le travail que je fais en tant que membre du gouvernement, j'ai quand même occupé des fonctions qui sont le symbole de l'idéal, les droits de l'homme. Qui a-t-il de mieux ? On a supprimé votre secrétariat d'État. L'a supprimé. Ce n'est pas moi qui choisis. Mais vous êtes resté quand même. Bien sûr, je suis resté. Pourquoi ? Parce que monsieur... Il ne servait à rien, votre ministère, mais même Kouchner l'a reconnu. Non, mais vous vous souvenez de la déclaration de M. Kouchner ? Vous vous souvenez de ce qu'a dit Bernard Kouchner ? Est-ce que je peux le rappeler ? Oui, ça sert à rien. Je pense que j'ai eu tort de demander un secrétariat d'État aux droits de l'homme. C'est une erreur, car il y a une contradiction permanente. Et je pense le contraire. Mais c'est son avis. Mais je ne suis pas d'accord. Mais pour une fois, il a raison. Mais prenez votre liberté, Madame Yann. Prenez votre liberté. Non, mais soyez libre. Vous pouvez cesser les injonctions qui sont un peu parce que je peux pas, j'ai pas d'espace. Donc laissez-moi juste m'exprimer. Les droits de l'homme n'appartiennent à personne, y compris n'appartiennent pas à un ministère. C'est pas parce qu'il y a pas de secrétaire d'État aux droits de l'homme que la France ne parle plus des droits de l'homme. Elle les piétine aujourd'hui. Mais si. Arrêtez de dire n'importe quoi. La France est un idéal qui dépasse le cadre de l'action politique. Et heureusement.
moment d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, moi-même n'étant plus aux droits de l'homme, vous pensez que j'ai renoncé à mes convictions? Vous pensez même qu'en étant au sport, j'ai trouvé le moyen de raccrocher à ce sujet en lançant l'idée d'un fonds pour, de lutte contre l'esclavage sportif, en créant un plan de lutte contre l'homophobie ou en lançant les assises du sport et du développement durable? Ce qui veut dire que je retrouve la prolongation de mon action dans cet ancien ministère, y compris au sport. Pour vous dire quoi? Que les convictions me suivent, les postes changent, mais moi je suis la même. Ça c'est quelque chose que deux mots sur M. Hortefeux et sur voilà, la réaction de l'ONU face à la politique française vis-à-vis des Roms. Sur les Roms. Ah, soyons clairs. Comme ça, sur les Roms. On y va directement. Je vous le dis avec la position même, disons, droit de l'hommiste, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 2 dit que la sûreté fait partie des droits de l'homme. À l'époque, ça s'appelait comme ça, qui correspond aujourd'hui à une politique de sécurité ou d'ordre quand c'est nécessaire. On sait ce qu'il en a coûté dans un passé pas si lointain, la négation des problèmes de sécurité, 21 avril 2002. Deuxième chose. Troisième chose. Laissez-moi juste finir. Laissez-moi juste finir. Quand on est face à un problème de sécurité, là par exemple concernant les Roms, c'était parti de l'affaire de Saint-Aignan, une gendarmerie qui a été brûlée. C'est pas une collectivité qui est responsable de la sécurité. Il faut pouvoir répondre aux problèmes de sécurité des gens. Voilà. Nicolas Sarkozy, il n'a pas été élu pour faire le truc. Mais c'est pas les Roms, Madame Yad. Vous vous rendez compte de l'expression que vous avez employée, les Roms. Mais c'est pas moi qui ai employé cette expression, c'est Monsieur Ruquier et c'est vous qui avez soulevé le sujet. Les Roms, c'est le président de la République qui l'a employé en disant les Roms, femmes, enfants, adultes mêlés, les Africains, les Arabes. Vous m'avez posé une question sur la légitimité d'une politique de sécurité. Je vous réponds. Et je vous réponds clairement que la sécurité est quelque part un droit de l'homme, qu'il n'est pas illégitime, permettez-moi de vous le dire, qu'un gouvernement s'occupe de problèmes de sécurité quand il y en a, qu'on soit de gauche ou de droite, que quand on ne le fait pas, on le paye au prix fort avec l'arrivée des extrêmes, et que, quatrièmement, cela n'interdit nullement qu'il y ait dans la politique menée une forme d'équilibre. Parce que quand on dit qu'il faut démanteler les campements illégaux à la suite d'une décision de justice, bon, ça n'a rien de fort particulièrement grave. Quand on dit qu'il faut trouver des aires d'accueil pour ceux qui n'en ont pas, en concertation avec les préfets, avec les maires, c'est très positif. Et quand on dit, troisièmement, et moi je le pense que ça c'est fondamental, qu'il faut que l'Union européenne se saisisse de cette question concrètement en menant une politique active d'intégration des Roms, parce que le nomadisme n'interdit pas la citoyenneté. Et là je pense à tout ce qui est la scolarisation des enfants ou la mendicité infantile. Voilà. Donc je trouve que dit comme ça, voilà, vous avez résumé la politique du gouvernement dans ce domaine-là, sachant que tout cela est parti d'un fait divers à Saint-Aignan et qu'il est dans le rôle de gouvernement d'y répondre. Maintenant, Hortefeux. Hortefeux, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Hortefeux? Je sais pas, on peut suivre. Bah, vous avez tout dit, voilà, Éric Zemmour. D'abord, j'ai pour faire la liaison avec ce qui vient de se faire, quand Sarkozy a fait le discours sur la déchéance de nationalité rétablie pour les crimes contre les policiers, ceux qui étaient naturalisés depuis 10 ans, vous avez dit « Ah, je me suis toujours tout de suite précipité sur ma carte d'identité et ouf, j'ai respiré parce que ça fait 12 ans. » Moi, je me suis... Quand je vous ai entendu, c'est ça, 12 ans, j'ai bien noté? Oui. Donc ça fait 2 ans de plus. Et quand je vous ai entendu, moi aussi, j'ai eu un réflexe, je me suis dit « Tiens, elle voulait tuer un flic. » Non, parce que vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin. Ah, comme toi, j'ai dit, c'est mon drame. Mais oui, mais vous prenez ce qui vous arrange, voilà. Monsieur Zemmour. J'ai dit aussi, je n'ai absolument pas l'intention de tuer un flic. Ah, bah c'était pas dans la dépêche. Mais pourtant, je l'ai dit, bah, faut dire, journalisme, bon. Je n'ai pas du tout l'intention de le faire, et j'espère que je ne le ferai même jamais par accident. Mais bah, j'espère pour vous et pour le flic. Bah oui, mais la question que je me suis posée, une vraie question de fond, et ça peut rejoindre ce que disait Edu Plenel, qui est le fait d'avoir ce réflexe, alors que je suis membre du gouvernement, je me suis dit, mais c'est que d'autres qui ne le sont pas ont sans doute eu le réflexe. Alors, et qu'à partir de là, où personne ne conteste le fait que quand on tue un policier ou un gendarme, on le, vous voyez, qu'il perd sa nationalité. À la limite, moi, ça ne me choque pas. Ce qu'il y a, c'est que ce réflexe-là mérite une réflexion particulière. Et justement, ça, je pense qu'il faut l'éviter. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'aurais préféré, et je vais au terme de mon propos,
que cette mesure s'applique à tous les Français, qu'ils soient Français canal historique ou Français comme moi, naturalisé. Parce que quand on est un Français naturalisé, on est un Français, enfin, on a choisi d'être Français. On est allé à la préfecture, on a fait la queue, on a demandé des rendez-vous, on vous a refusé, puis après on vous a redonné un autre rendez-vous 6 mois après, vous allez rassembler les papiers, etc. Sauf que vous savez très bien... C'est une adhésion à une nationalité. On n'a pas le droit de déclencher, de transformer en apatride, et que les naturalisés, ils avaient une ancienne nationalité, c'est pour ça qu'on les renvoie. Bien sûr. L'article 1 de notre déclaration des droits de l'homme, on ne fait pas de tri entre citoyens selon l'origine. Et donc, commencer à faire ce tri, c'est mettre le poison qui fait qu'un parfumeur peut aller à la télévision et dire que les nègres travaillent pas. Mais il est parti dans le délire. Je suis désolé, tout ça, cette banalisation du racisme, elle vient. Vous n'allez pas me donner des leçons d'antiracisme, M. Plenel. Le racisme, M. Plenel, moi je l'ai vécu, et il m'arrive encore de le vivre dans ma chair. Ne me mettez pas à ma place pour me faire des leçons d'antiracisme ou quoi. Donc moi c'est toute l'histoire de ma vie, c'est pour échapper justement à ce type de problème. Donc et les Césaire, les Senghor que vous citez, mais j'ai été nourrie de leur lait. J'ai grandi dans les Caraïbes. Ne me faites pas de leçons là-dessus. Toute ma vie a été une longue réflexion sur ces sujets-là. Donc, monsieur Plenel, vous n'avez pas en face de vous Brice Hortefeux, mais Ramayad, Je dis juste, madame Ramayad. Le problème de votre propos, c'est qu'il faut l'adapter à la personne que vous avez en face. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous ignorez, vous vous contentez de citer comme ça une ou deux personnes qui ne vous plaisent pas et de mettre tout le monde dans le même sac en estimant que nous avons tous les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours, les mêmes aspirations. Ce n'est pas le cas. À l'UMP, vous avez entendu cet été des gens dont certains ont largement dérapé. Je pense à, par exemple, quand des gens ont dit de manière très explicite que l'immigration, la délinquance, enfin quelque chose qui était assimilé de ce genre, que moi, avec là d'où je viens, je ne peux fondamentalement pas accepter. Et vous avez 95%, voire plus, de l'UMP qu'on n'a pas entendu, où là-dedans vous avez des libéraux, des gaullistes, des chrétiens démocrates, de tout, et que vous ignorez dans votre discours. Et ça, je trouve que c'est très grave, parce que vous jetez en pâture une famille politique sous prétexte qu'il y a 3 ou 4 personnes dont les déclarations ne vous ont pas plu pour dire cela. Est-ce que moi, par exemple, en estimant que Martine Aubry a demandé l'expulsion de Rome à Lille, alors qu'à la télévision elle nous tenait un discours humaniste, est-ce que je me dis que c'est le Parti Socialiste qui se comporte mal? Non, je trouve juste que Martine Aubry a été hypocrite sur ce sujet. Zemmour, vous expliquez, et vous avez tout à fait raison, que vous avez la nostalgie de votre enseignement dans les années 80 au Sénégal par les sœurs dans les écoles de sœurs de l'époque, sœurs catholiques, parce que vous dites, et je pense que vous aviez raison, c'était le niveau et le style des écoles des années 60, 50, 60 en France. Et vous dites ensuite, il n'y a absolument rien de positif à la colonisation. Et moi, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, ça, c'est bien le côté positif de la civilisation, de la colonisation. Alors là, les écoles de sœurs. La civilisation. Oui, c'était la civilisation. La civilisation. Mais c'est Jules Ferry. Attendez. Vous m'accordez que les écoles de bonnes sœurs, ça a été mise par la colonisation. Donc vous êtes un enfant de la colonisation. Sans la colonisation, vous ne connaîtriez pas Baudelaire. Je n'ai jamais dit ça. Oui, et je serais même à quatre pattes par terre. Expliquez-moi. On m'a apporté la civilisation et la lumière. Non, on vous a apporté Baudelaire. Mais moi, je suis comme vous. Et on a apporté Senghor aussi au Sénégal. Madame Yad, qui a même apporté la francophonie. Madame Yad, je suis comme vous. Une grande idée de la France. Je peux parler, Madame Yad. Je suis exactement comme vous. Je suis un produit de la colonisation. Moi aussi, sans la colonisation, mes ancêtres ont été colonisés comme les vôtres par la France et je l'ai béni. Parce que justement, la France m'a apporté, comme à vous, les écoles et Baudelaire. Vous devriez le dire. La France a produit Baudelaire. La colonisation, c'est autre chose, excusez-moi de vous dire. C'est pour ça que je dis dans ce livre. Et c'est la colonisation qui a apporté Baudelaire. La France a commis de grandes fautes. La colonisation pour moi n'a rien de bien. Vous êtes un produit de cette colonisation. Pas du tout. Laissez-moi terminer. On a compris, la France n'était pas. En 1980, le Sénégal n'était pas une colonie. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit.
Non, je répète, non, j'ai pas compris. Dire que je répète. Mais non, j'ai pas compris. Mais parce si. Qu'en 1980, je suis née en 76, en 1982-83, excusez-moi, le Sénégal n'était pas une colonie. Oui, mais il n'y aurait pas et eu les écoles école, de bonne sœur s'il n'y avait pas eu la colonie. Pas du tout. Mais cette école, elle est née après mais les oui, indépendances. Je... Non, et vous dites que j'ai une mauvaise foi. Alors vous là, êtes vous complètement exagérez. De mauvaise foi. Mauvaise mais attendez, foi, là, vous battez la, coup, excusez-moi de vous le dire, on ne sera jamais d'accord. Jamais. Et là, vraiment. Mais si, c'est contre Plenel, on est d'accord. Non, mais non, on sera jamais. Maintenant, non, mais, maintenant c'est au tour de Plenel de boire du petit lait. On sera jamais d'accord sur la colonisation. Mais oui, on sera pour jamais moi, d'accord. Pour moi, la colonisation, c'est, ça a été une grande faute. Moi, si je peux dire. Moi, si Diane Arnaud, il y a trois personnes qui ont une histoire qui est différente, même très différente les unes des autres, qui ont toutes, à l'origine, sont venues d'ici ou de là, bon, et qui sont aujourd'hui l'exemple même des Français. Ils se querellent et ils ne se comprennent pas. C'est un bon point final. Merci pour cet esprit d'analyse, Alain Duhamel. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant que c'était vraiment pas facile face à... Ah oui, les quatre, là. Encore que Patrice Duhamel a été très gentil. Très gentil. Vous avez lu, d'ailleurs, le livre des frères Duhamel, Ramayad ? Non, pas encore. Parce que Alain Duhamel parle de vous à un moment donné, quand même. Hein. Ah, ça, bah, je peux pas oublier. Je peux pas oublier ce passage. Je ne nie rien, moi. Vous dites, en ce qui me concerne, Alain Duhamel, je vous lis, hein, je n'ai connu que deux seuls incidents avec des membres du gouvernement Fillon. L'un avec Rachida Dati, qui m'a téléphoné un jour pour se plaindre du papier critique que j'avais fait sur sa réforme du ministère de la Justice. Je lui ai répondu qu'à l'âge canonique que j'avais. Ben oui. Ce n'était pas elle, Madame Dati, qui m'intimiderait. Elle n'allait pas mettre en cause ma carrière dans 20 ans, ça c'est sûr. L'autre incident, vous allez me dire si c'est vrai comme ça, l'autre incident est intervenu avec Ramayad. Elle n'avait pas apprécié que je dise que son passage du secrétariat d'État aux droits de l'homme à celui des sports relevait plus de la sanction que de la promotion. Oui, je confirme. Nous avons eu là aussi un échange qu'il un l'a peu... dit. Un peu vif par médias interposés. Ben oui. Alors, c'est-à-dire que vous appelez les journalistes. Ah, je ne l'ai pas appelé. Non. Elle l'a mis dans son discours de passation des pouvoirs. Oui. Bon. Je vous ai bien honoré. Par médias interposés. Oui. Oh, ben, ça j'ai va, répondu, alors. Et j'ai répondu le lendemain. Oh, ben, c'est normal, oui, alors, qu'elle se plaigne. Alors, moi, je croyais qu'elle disait... Bien sûr, simplement, ce n'est pas tellement habituel que ça soit dans les discours de passation, mais j'ai bien compris que c'était une bonne manière. Les temps changent, monsieur Duhamel. Que c'était une façon de mettre les choses en exergue. Et puis, je vous valorise en vous. Mais je l'ai pris comme ça. Et je vous remercie vraiment de commencer à faire ma publicité parce qu'il est temps. Qu'est-ce qu'il y a, Plenel ? Quand j'entends un ministre dire à un journaliste « je vous valorise », vous prenez tout trop à la lettre. Mais non, on est dans un échange détendu. Au sérieux. Je ne vais pas le menacer. Vous savez, moi j'étais effectivement devant. Je dis je vous valorise. Je suis intervenue bien plus que vous sur les questions de journalistes qui étaient emprisonnés parce qu'ils avaient écrit des papiers ou qui étaient menacés de peine de mort. C'est bien autre chose que tout ce que vous dénoncez. Et c'est pour ça que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites. Quand j'interviens, parce que. Toujours, donc parfois quand même. Non, mais pas, je voulais être poli, vous voyez, je voulais pas. Mais vous voyez, elle progresse, hein. Non, c'est vrai. On vous sent. Vous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre, hein, vous dites au début, vous donnez même des conseils à des jeunes qui veulent se lancer. C'est très drôle ce passage. Les conseils aux jeunes qui veulent se lancer en politique, parce que vous dites les choses trappent, les journalistes. Qu'on a envie de pendre quelquefois. Ah oui, si vous voulez vous lancer dans la politique, vous pouvez aussi acheter Lettre à la jeunesse. C'est chez Grasset et c'est signé Ramayad. Merci, Madame Ramayad. Merci à vous.